Je sais pas pourquoi les gens ont même besoin de faire les filtres. Faut entretenir le visage que de faire les filtres. Je vais mettre une musique. Où est ton téléphone? Dankeschön. Déma système. Willy de Paris. Willy de Paris. Bonjour. J'ai dit que bonjour, ma Sandy. Pas, je viens de me réveiller, j'ai trop dormi. Bonjour ma Sandy, bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonjour ma Cabot de l'Ouest, bonjour. Oh ma personne personnelle, Berthe Yvette, bonjour, bonne fête de la Pâques. J'ai trop dormi. J'ai trop dormi. Je vais faire un direct tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui me provoquent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui me provoquent. Il y a des gens qui aiment jouer à la victime. Il ne peut pas les laisser. Il va seulement répondre. Oui. Il ne peut pas vous laisser. Je vais vous répondre. Oui. Parce que là, je suis pas encore chez Michela. Dès que je suis chez Michela, je lance le direct, je vous réponds. Oui. Vous aimez jouer à la manipulation. Je ne vais pas vous laisser. Oui. Je vais vous répondre tout à l'heure. Parce que je n'aime pas les éternelles victimes. Occupez-vous de vos vies. Laissez la vie des gens. Occupez-vous de vos familles. Laissez la famille des gens. Ben, si on parle de vos familles avec les preuves à l'appui, vous allez fuir. Si on parle de vos familles et je fais écouter les choses, vous allez fuir. Donc, occupez-vous de vos familles. Voilà. Face ID. Oh, j'avais oublié ça. Dankeschön. C'est quoi ça? Bonjour, Grâce Dikoumé. Bonjour. Bon lundi de la Pâques. Bon lundi de Pâques. Bonne fête à tout le monde. Bon début de semaine. Bon début de mois d'avril. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège en ce début de mois. Donc, que le Seigneur vous protège vraiment. En ce début de mois d'avril, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Bon. Bonjour. Donc, je ne suis pas encore chez Michela. Quand je serai chez Michela, je vais lancer un direct. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me voient la victime et que je dois répondre. Bonjour, Julien Zombie, la reine de l'Allemagne. Bonjour. Donc, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur veille sur vous. Personne n'est supérieur à vous sur la terre. Personne, virgule, n'est supérieur à vous sur la terre. Quand tu as ton Dieu, comme moi j'ai mon Dieu, je ne m'accroche à personne. Parce que Dieu peut me prendre d'un point A. Il me propulse à un point X sans la vie de quelqu'un, sans l'aide de quelqu'un. Si quelqu'un t'aide, c'est parce que Dieu l'a utilisé pour t'aider. Vous avez compris? Si quelqu'un t'aide, qui ne te fasse aucun chantage, c'est Dieu qui l'a utilisé que, comme Julien Zombie avait aidé quelqu'un, qui ne lui a pas remis ce bien, je vais passer par toi pour t'utiliser, pour aider Julien Zombie. Donc, même si tu ne dis pas merci à la personne, dis merci à Dieu. Oui. Bonjour, Hélène. Donc, il y a des éternelles victimes sur la toile. Des petites jalouses. Je ne m'occupe pas d'elles, mais passe le temps à parler de moi. Je ne m'occupe pas de vous. Je ne vous gêne pas. Je ne vous gêne pas. Donc, bonjour, Véronique Amas. Bonjour. J'ai passé un très bon week-end. Je ne pouvais pas être avec le couple hier parce que j'avais aussi d'autres obligations. J'étais fatiguée. Michela ne voulait pas m'accompagner, elle était fatiguée. Donc, je ne pouvais pas. J'ai passé. Bonjour Daniel Choco, bonne fête, yom soeur, bonne fête, John. Bonne fête, maman. Bonne fête, mon vœu. Donc, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller. Je ne pouvais pas. Aïe, aïe, aïe. Oh là là.
Les gens veulent me tuer. Vous blaguez. Je vais peut-être arrêter. Bonjour. Donc, ne soyez pas que quelqu'un ne vous complexe pas. Oui, oui. Soyez respectueuse comme rêve une vieille. Oui, parce que je suis respectueuse. Je sais me défendre, mais je suis respectueuse. J'ai une éducation. Il y a des mots qui ne sortiront jamais de ma bouche. J'ai une éducation. Moi. Isaac en joue victime alors qu'elle dormait dans ma maison, soi-disant aujourd'hui elle vit les pires moments de sa vie. J'ai vu ça, Julien. Et je dis à Véronique Hamas que j'ai bien ce dossier. Je peux entrer dans ce dossier, essayer de décortiquer, mais je n'ai pas envie. Parce que quand tu t'attaques à l'enfant de Louise Annie, pour rien, tu vas recourir. Et quand je vois quelqu'un, je n'aime plus. Dieu a fait le palabre. C'est pour ça que vous me voyez, je ne gère pas ça. Mais je dis merci à Véronique Hamas. Bonjour Corinne Yenga. Je dis merci à Véronique Hamas. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que je vois que Dieu a résolu le problème. Je me dis pourquoi venir encore me battre. Tout le monde a vu. Dieu a déjà résolu le problème. Quand tu m'attaques pour rien, je ne prie pas en t'appelant Isaac, comme je cite ton nom dans mes prières. Et dit tchap-tchet. Tchap-tchet. C'est lever, insulter mes parents pour rien. Je mets en prière. Et ne viens pas donner les noms d'emprunt comme sur Facebook. Quand je te clash avec ton nom, porte-moi plainte. Parce qu'il faut que ma parole t'atteigne. Et c'est mon nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Rêve Mbiaï. Donc, on parle, c'est mon identité. Donc, je dois prier pour combattre ça. Si je veux clasher quelqu'un, je te clash avec ton nom. Je connais tous les noms des blogueuses. Tout. Acte de naissance, tout. Adresse, tout j'ai. Et c'est que je me cache. Tous. Je ne vais pas te clasher en devenant te dire que, comme Julien Zombie, tu lis son nom. C'est son nom. Quand vous clashez, vous dites que Julien Zombie, c'est elle qui s'appelle. Si elle n'est pas folle dans la prière, ça va l'atteindre. Pourquoi en répondant à l'ennemi, elle va utiliser un nom d'emprunt? Ah, tu t'adresses à part. Tu t'adresses à tout le monde sauf à lui. Hein. Tu t'adresses à tout le monde sauf à lui. C'est pour ça que vous voyez, je ne gère pas ce problème. Parce que je ne sais pas. Ce n'est pas mon habitude. Parce qu'elle n'est même pas du même diapason que moi. Je n'arrive pas à parler d'elle. Je n'arrive pas. Même quand je force, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc, Dieu a utilisé Véronique Hamas, comment on appelle, Monica Diaz pour faire le problème. Mm-hmm. Donc, c'est un coup direct pour dire que je dois répondre. Il y a des décryptages. Il paraît que le bindailleur, il paraît que le bindailleur de ma petite soeur de Kribi a boycotté la prestation de ma juju. Vous avez dit que les femmes sont maillots blancs, mais elles sont les bindailleurs. Vous croyez qu'elles sont blancs? Il paraît que le bindailleur de la prestation, le bindailleur, le DJ, a boycotté. Mais la musique a boycotté la prestation de ma juju. Ma juju qui a dit que je lui ai donné un homme d'aller. Elle est mouna. Bonne semaine, Eve Adam. Bonjour. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Je vais vous déranger. Il paraît que le bindailleur de ma petite soeur est Kribi. Le gars de blanc là aime trois fois les médailles. Le gars de blanc là. Wande. Monica Diaz, Eva Damodica, Blonita News, bonjour. Il paraît que le bindailleur de ma petite soeur de Kribi a boycotté la prestation. Elle dit que sa voix ne sortait pas parce que
On va décrypter les affaires, elle vous ment pas. Elle dit qu'elle chante, sa voix ne porte pas. Parce que le Bindaya a mis le volume, hein. C'était ça. Elle dit que le volume était trop haut. Lolo, yo-yo, rêve, tu es chez... Lolo vit à Rennes, moi je suis à Paris. Lolo vit à Rennes, c'est à Paris. Je suis chez ma cousine. Rêve, il ne faut pas laisser Isaac, mais elle pleure pas. Elle pleure comment, Julien? Ah, toi tu nous expliques, non? Elle pleure comment, elle dit quoi? Elle n'a pas les papiers. Parce qu'une séparation avec un homme, quand tu as les papiers, je ne sais pas si c'est... Elle n'a pas les papiers. Elle n'a pas les papiers. Il y a un vocal. Il y a un... Le voice, là. Il y a un voice qui va vous faire écouter. Qui dure 45 minutes. Les échos du 237. Les gens qui disent qu'elles ont les relations 237, elles-mêmes sont en train de fuir. Il y a un voice que je vais vous faire écouter qui dure 45 minutes. Bonjour Hélène Sainte. Donc, comment ça cherche mon truc? Bonjour, elle est devenue sans abri. Hey! Elle vit au foyer. Bon, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on appelle tous les foyers de sa ville. Elle vit au foyer. Il paraît que le bindaya de ma petite sœur de Kribi a gâté la prestation de ma juju. Elle dit que c'est son ex-juju. De ma juju. Il paraît que le bindaya de ma petite sœur de Kribi a boycotté. Elle est devenue sans abri. Elle n'a pas le kaolo. Julien, je n'arrive pas là, Jérémy. Je n'arrive pas. Je force, mais je n'arrive pas. Au Bindaya. Je vais faire le direct. Je vous allez venir m'expliquer. Je vois tous ceux qui me regardent. Hein. Dis-moi, rêve, la robe de ta juge, jetez le rideau. Moi, je croyais que c'était ça. J'avais l'impression que c'était le rideau. Hein. Moi, mais je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais en fait, je sais pas si c'était le rideau, mais je sais pas. Hein. Combien de temps? Dis-moi, rêve, la robe de ta juge était le rideau. C'est le saint. Il dit qu'il y a un décryptage que j'ai envie de faire. Il paraît que le bindaya de ma petite sœur de Kribi a gâté la prestation de l'angadamé caca. Il dit qu'il va boycotter Caresse Fosso. Tout à l'heure, je fais un direct. Bonjour Sidonie. On va non. Bonjour Caro Yomi. Bonjour Yo-Yo. Sidonie, mon rêve, tu aimes le Djoka. Mal mauvais, j'aime le Djoka. Je ne fais pas trop, mais quand je fais vraiment. J'étais habillée comment? J'étais comme une araignée noire. On dit une araignée. Une araignée, pardon. J'étais comme une araignée noire. Une araignée noire. J'ai dit qu'il m'a dit ça. Ouais, la fille, tu vas me tuer. Oui, le pari dit que rêve, tu es comme l'araignée noire. Avec ma belle Louboutin, c'est la Louboutin, non? Avec ma belle. Toutes les cartes là, c'est pourquoi. Bonjour Julie Luna, tu étais très bien habillée. Merci Sidonie Monté. Oh, merci Daniel Choco. Elle, que j'étais bien habillée. Daniel Choco, j'étais. Et que j'étais bien mécopée. C'est ma fille Louise Gloria, par contre, qui m'a mécopée. Ma fille qui m'a mécopée. Merci Daniel. Après elle, Ruth Cotto a pris le micro, il fallait voir, c'était top. Elle dit qu'elle chante, on n'entend pas sa voix. Parce que le volume, on dit que... Elle chante, mais on dit que c'est le bindaya qui a boycotté.
Mais quand Ruth Cotto est passée, on entendait bien. Et c'est moi qu'on vient payer la voix des crapauds ici. Il paraît que Ruth Cotto est passée, ça n'avait aucun problème. Merci ma Miranda Nambou, Miranda Kay. Il paraît que... Merci Miranda. Oh, Miranda dit que j'étais belle et sexy. Il paraît que le bindaïeur de ma petite soeur de Nanta Kribila a boycotté Miranda la prestation de l'Angadamer Kaka. Elle dit que le bindaïeur, que c'était son gars qu'il a boycotté. Tiens, les filles, vous avez quel problème? Hey! Bonjour Clara New Look, bonjour. Vous avez quel problème? Maintenant, ce n'est plus rêve. Elle est à tomber sur la lionne. Tchaï! Mes soeurs, je ne vous calcule pas où. Il a dit que le DJ était le bindaïeur de ma petite soeur. Dès que j'arrive, on décrypte ça. Et vous, ma pas. On décrypte. On accuse le DJ d'être abé ou le Maya qui trafique le micro. Bonjour Berlin, Berlin. Bonjour. Bonjour Berlin, Berlin. Bonjour. Bonne depuis de. De mois, bon mois d'avril. Elle avait les chaussures et les arêtes de poisson au pied. Ah ah! Qui? Ma Juju. Elle a mis le vernis blanc. Va écouter ce que Leslie dit sur TikTok. Tu vas mourir de rire. Ah, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. On va décrypter, vous savez. Il y a les gens qui sont. Il y a les gens qui ont. Vous voyez vous-même les gens qui sont haineux sur Meta. Hélène, Sainte-Hélène. On va. Qui sont haineux sur Meta, vous allez voir. Hum? Oui. Bonjour Baraté de Kribi. Bonjour. Bonjour Baraté de Kribi. On m'avait dit que Baraté de Kribi a quitté. Elle n'est plus avec vous. Elle est partie. Elle n'est plus avec vous. Elle est partie. Baraté de Kribi n'est plus avec vous. Bonjour, bonjour Berlin. Bah, mais ça chante plus bien que ta juge. J'arrive à la maison, lance le live, pardon. C'est trop faux. J'arrive à la maison, lance le live. Yeah, non, rêve, tu étais trop sexy. Merci beaucoup, Blanche Chomno. Merci. Laissez à finir avec la mère d'Alo. Arrêtez, je m'en vais, pardon. Dès que j'arrive, on va causer. Montre un peu, c'est quoi ça? Elle dit que Talita, attends un peu. Et, attendez, j'arrive à la maison. Elle dit quoi? J'ai dit à Talita qu'elle a beaucoup de travail. Oh, OBS technique, elle n'a aucune. Oui, elle n'a aucune prestance, aucune émotion. Elle dégage rien sur scène. Elle est fade sur scène. Oh, je croyais qu'elle avait les bannières. Oh, je croyais que. Oh, ben écoute, je coupe. Bonjour Henri Pierre. Bonjour Clémentine. Bonjour Manvune. Elle n'a pas fait le déplacement avec ses appareils. Pourquoi? Elle a une télé, non? Les gens de Meta peuvent te faire suicider. Hey, peuvent te pousser au suicide, mon Dieu. Hey, maman. Les femmes, si. Que quoi? C'est fou, elle accuse le DJ d'être le gars. Pas l'ami, le show, le show. Je ne peux jamais laisser. C'est tout, ma belle, ma bonté de Kribi. Envoyez-moi le lien de Leslie, là, non. J'étais fière de te voir en grand rêve, voir où ça a vraiment besoin. Oui, il faut qu'on ait de temps en temps la voix, même si elle nous clash. C'est vrai. Donc, je vais devoir vous laisser parce que dès que j'arrive à la maison, encore ça. Dès que j'arrive à la maison, je vais faire une diète. Parce que j'étais une victime. Vous voyez quelqu'un qui prédit déjà, qui vous dit, je sais pas moi, je sais pas Belin ou Sainte-Hélène, ou alors Miranda, je te vois avec ta soeur, je prédis déjà que dans quelques mois, tu seras trouvé avec ta soeur. Ça veut dire que je suis une sorcière. C'est-à-dire que je vois Belin, qui est un chrétien,
qui prédit déjà que dans quelques mois, ou bien je dis Berlin, Berlin, dans quelques mois, je sais que tu auras les problèmes avec ta soeur. Dans quelques mois, je sais que tu auras les problèmes avec ta soeur. Ça veut dire que tu es tout simplement un sorcier. Si elle décrit votre lave, vous matez. Vous n'aurez jamais mon niveau. Si elle décrit votre lave, vous matez. Tu vois une famille, tu prédis déjà que je suis sûre que dans quelques mois, tu auras les problèmes avec ta soeur. Donc les gens dorment, n'attendent que ça. Vous voyez le niveau de haine. Dans quelques mois, j'aurai le problème de ta soeur. Parce que je fais le bloc comme ma soeur. Parce que, je ne sais pas si c'est interdit de faire le bloc comme sa soeur. Parce que les gens n'arrivent pas à oser, comme Karim a dit, l'audace d'être soi. Les gens n'arrivent pas à oser. Les gens ne comprennent pas pourquoi Makoso s'est fait de l'argent sur les réseaux sociaux. Comment sa fille s'est fait de l'argent sur les réseaux sociaux. Comment sa nièce, ses soeurs se sont fait de l'argent. Mais ils sont tellement égocentriques qu'ils ne veulent pas donner la chance à leur frère. Ils viennent accuser les biais. Je vais vous décrypter. Et l'aussi, l'eau vous répond tant pis. Oh non, pourquoi je n'arrive pas à prendre Julienne? Je lui ai mis un commentaire. Tout ce week-end, elle a snappé comme si elle était star. Hôtel, service room. Même le service room était snappé, pardon. Ne me tuez pas. Non, vous êtes méchante. Je lui ai fait un commentaire, je n'arrive pas à te prendre. Vous voyez des gens qui s'asseyent. Je ne parle pas de leur famille. Pourtant, j'ai des trucs. Hein. Quand je dis que j'ai des trucs. Mais qui prédisent déjà que dans quelques mois, je serai les problèmes à ma soeur. Oh! J'ai toujours. On va laisser Julien s'exprimer, puis je vais partir. Bonjour, Julien. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. On m'entend. Coucou yo-yo, coucou bonne fête de Pâques. Bonne fille de walk, rentre-moi à la maison, à pointer mon ado. Et puis à 9h, je dis. Et tu qu'est-ce que c'est? C'est toi, c'est ça. T'as si bien localisé à Palermo. Bonjour à tout le monde déjà. Yo-yo. Bonjour à tous ceux qui sont là. Hein. Moi, ma si bien localisé à Palermo. Non, tu que moi, on m'a traumatisé. Pourquoi on est méchant comme ça, là, on jubile comme ça, là, là, pas là, dehors, yo. Elle est quoi, les deux? Elle est pas la maison. Maman. Elle est dehors, maman. Non. Et Monica, elle a fait un travail énorme. Et elle dit, elle est sans domicile, yo. C'est chaud. Je n'ai pas, elle parle comme une chose. Quoi? Elle m'a traumatisé. Tu penses qu'on va te louper? Ton dossier arrive sur la table comme ça, que tu n'as pas de maison, tu es venu chasser le mari, on devait te laisser, ma. Tu es qui? Eh, mais voici, je vais finir mon work, maintenant tu vas dormir, Tu dis que tu l'as traumatisé. Bon, Kenan, montre-nous ta cuisine, d'habitude. Elle peut te traumatiser, Dimi. Eh, yo. Elle peut te traumatiser. Et je dis que... Bonjour, Hélène Estelle. Estelle, nous en a stendé. Elle peut me traumatiser, elle sait même avec qui elle a fait. Elle a pas de Molongi, elle a plus de maison. Elle est foyer de mère et enfant. Les Monica, ils sont entrés dans la belle famille, ils ont compté avec la belle famille. Elle peut avoir son beau foyer direct. Donc ils ont fait un travail énorme en Italie là-bas, tu comprends l'espoir. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est qu'elle dit que les gens sont entrés dans sa belle famille, les gens mettent sa vie dehors. Maman. Mais c'est pas toi qui peux parler de tout comme ça. C'est pas toi, tu n'es pas un exemple, ma chérie. Elle est entrée dans la famille des gens aussi. Oui, elle est entrée dans la famille des gens. C'est qui est arrivé aux autres, il faut qu'elle subisse ça. On ne peut pas te louper. Tu penses que donc tu croyais que ton dossier va arriver sur toi, on va faire comme s'il n'y a rien. Que tu es qui? Hein? Chef, je suis une bosailleuse. Tu connais combien de temps le bosa existe? Et que voilà, quand je. Il dit qu'Isaac Amdon parle de toi, moi j'entre là-bas. Hein. Moi, je te dis ça. Pour me venger, moi je me moque de toi seulement. Hein? Moi je me moque de toi parce seulement. Elle est entrée dans ta famille. Hein? Bien sûr, donc elle croyait qu'elle m'a parlé de moi, ça. Attends, je pensais que moi j'avais peur de toi. Tu me connais même très bien. C'est parce que j'avais peur de toi. J'ai bien mis de couper pour te laver. J'avais peur de toi. Tu as nagé avec les requins, requins, tu venais pleurer. Oh, c'est un beau zaïeux. Tu sais comment un beau zaïeux existe?
Tu es la première et la dernière qu'on appelle le Bosa. Hein? Tu viens dans un pays européen de rester tranquille, chercher ta vie. Hein? Comme tout le monde, tu es en la famille des gens, pour la famille des gens, chasser le mari des gens dans la maison. Maintenant, tu pleures quoi? Tu dois subir ce qui t'arrive, ma chérie. Hein? Hier, quand elle est sortie, elle nous a insulté encore. Hier, elle insulte maman Dorcas. Tu es un Américain, il faut quelqu'un qui vient aux États-Unis, qui vient au Cameroun comme elle veut. Mais le problème, c'est que vous allez discuter avec quelqu'un qui n'a pas la même réflexion que vous. Non, c'est pas qu'on a discuté, il faut qu'elle sache. Non, c'est pas qu'on va la laisser, mais il faut qu'elle sache que le monde il tourne en fait, que ce qu'elle a fait aux autres peut l'arriver. Oui. C'est une leçon qu'on lui donnait. C'est une leçon. Bien sûr, on pouvait se rester sans rien dire. Ça, je gagne quoi en parlant de ça, je gagne quoi sur ça, je m'en fous. Mais vous, on a fait la hot, comment on dit, en droit, le Moussenja. On fait le Moussenja. C'est tout. Elle ne sait à quoi, franchement. Elle ne sait à quoi. Elle ne sait à rien, franchement. Retour, même retour à l'envoyeur, tout ce qu'elle a pris. Bien sûr, c'est tout. Moi, je m'amuse avec son nom. Moi, je ris seulement. Parce qu'elle ne peut pas, elle a passé le pire Pâques de sa vie. Parce qu'en Italie, il y a le Noël, il y a Pâques. Les gens, ils sont chrétiens. C'est le jour que les gens sont en famille, ils mangent à table, ça mange les chocolats, les plaques de Noël, ça mange partout, mais elle n'a pas vécu ça hier. Elle a vécu son foyer là-bas. Elle n'a pas vécu ça hier. Moi, j'étais à table en famille. La famille qui voulait chasser là. Comme on dit qu'elle ne laisse pas. Elle dit que moi, j'étais à table en famille. La famille qui voulait chasser. Moi, j'étais à table à l'aise. Mais elle n'était pas à l'aise. Entre temps, le week-end, sa mère était en train de boire le champagne à Nantes. Elle était au foyer en train de souffrir là-bas. Et puis les perruques de Djamil en fait. Regarde les perruques sur sa tête. C'est grave. C'est catastrophique. Que tu vois ces images d'aujourd'hui là, tu ris seulement. Ah c'est bon? Grave. Oui, yo. C'est grave. Bien fait pour elle. Elle avait la dépression totale. Elle a trouvé malheur plus que ça. Elle dit qu'elle avait. Et puis elle a fait avec les filles bassas de l'Italie. Hein. Les filles bassas, ils sont violents. Ouais, ils sont violents. Elle mérite. Elle a fait. Si moi, j'avais une adresse, j'ai appelé même directement. J'ai dit que Monique a tout le fax jusqu'au niveau de beau-frère. Tout le fax. Elle va appeler. Elle a déposé ma plainte. Les plaintes se font même. Elle a porté plainte à Monica. Elle a porté plainte. Elle a mis mon prépa dans son mis mon prépa. Quelle chérie de papa envoyé là-bas. Mon prépa, mon vrai nom. Son mise, mon vrai nom que mon père m'a donné. Elle a mis ça sur la toile. Mon prépa. Oui! Mon PayPal, elle met ça sur la toile, mon nom. Elle met ça sur la toile. Elle dit qu'on expose sa vie. Mais cette fille, elle est normale ou quoi? Mais ça va pas, non? Chérie, je peux aller très loin, très loin. Mais tu dis, elles sont où avec elle? Mais elle devait la loger, non? Elles sont où? Elle dit, tu peux la loger maintenant. Mais la loger. Elle est la merde pour le métro. Mais la loger. C'est pas possible. Hein? Maintenant, elle accuse, elle voit son malheur partout maintenant. Elle dit que les gens sont contre elle. Et les gens sont entrés dans sa vie. Oh! Oh, c'est monté, c'est descendu. Elle se victimise en tout. Donc, il faut profiter avec prix. Sa famille. Elle a bébé sa famille, que Lola avait partagé c'est ça. Faux. Mais elle Lola est malade. Elle se victimise en fait. Elle n'a pas d'argument. Écoute, elle n'a pas d'argument. Elle cherche à convaincre les Camerounais qu'elle se victimise. Elle n'a pas d'argument. Sa photo était dans son Facebook avant. Oui, bien sûr. Pas seulement partager ça. Faut pas seulement aller publier ça d'abord. Bien et puis, il faut profiter à prix et partager ça. Elle oui. Elle n'a pas d'argument. Elle s'est victimisée pour rien. Donc, elle venait faire son blog avec le nom des gens, le mari des gens. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ce qui est vu aujourd'hui, là, je dis aux gens que la fille insultée des gens, sa page a été signalée. Son ancien page, allez sur YouTube. Tapez sur YouTube Nicole Ketia. C'est là-bas, tous les directs qu'elle a lavé les gens, c'est là-bas. Je les envoie sur YouTube. Tous les directs sont sur YouTube. Tous les directs sont sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Parce que l'ancienne page, il n'y a pas assez de fanfonnement. C'est sa nouvelle page, pardon. C'est l'ancienne page, il n'y a pas l'ancienne page. Donc, ce n'est pas une victime. Elle doit subir ce qui lui arrive aujourd'hui. Elle mérite une correction. Elle mérite. Maman Lily, on a appel avec vous. Maman Lily, dis à ta fille de se calmer rapidement parce qu'on a l'adresse de sa maison. Là où elle vit, sa ville, c'est elle maintenant qui a gagné ou à perdre. Faut qu'elle baisse les armes. Non, je dirais qu'elle ne baisse pas les armes. On envoie les gens là-bas, on finit, on casse les armes. Parce que ma maman, elle est négociée. Hein. Elle m'a négocié aussi pour elle. Hein. Je ne sais pas si elle est négociée, je ne sais pas son quoi hier. Non, il faut qu'on casse son pied. Hein? Bon, maman, elle est négociée. Bonjour à Rosita. Bonjour. Maman Lily négocie. Bonjour ma belle. Oui. Bonjour. Yo, maman Lily négocie que pardon, l'insulte de votre soeur. Le 2 novembre, c'est le 2 novembre à la soirée des étudiants là. Oui.
Maman Léon sera la fleur de ma faux. Mais pour le moment là, ils ont quand même son djangui. Faut pas de tout les. Faut pas faire comme si. On peut laisser le lion comment ma mère. On laisse quoi ma? Laisse l'ingé. Laisse l'ingé. Et dis ma, attends puis. Et bien ma, attends puis, laisse moi yanji. Je vois les commentaires chez elle que j'ai un zombie. Fait la honte de savoir. J'ai dit, j'ai mangé sur vous. Yo, là où tu es là, tu vas parler. Moi, il parle. Et voici, hein. Depuis 22 heures, je suis debout la nuit. Depuis 22 heures, je vais finir maintenant. Je paye ma maison. Mon loyer, je paye mes factures. Hein? Hein? Et j'ai un. Il va parler pour Isaac. Enfin, Isaac, comment la laisse pas? Si belle occasion de parler, mon. C'est ça. J'arrive à la maison, je lance le direct. Tu t'apprends à Pierre, tu rappelles. Il doit partir. Ouais, yo, yo, moi, j'ai une théorie de bon. Yo, si elle m'a apporté le manger au tarot, non, elle m'a apporté le tarot aujourd'hui. Je te dis. Tout à l'heure. Je viens de finir là. Tout à l'heure alors. Ok, je t'appelle. Ouais. Appelle Monique après. Appelle Monique après. Je oui. Fais ma descente, s'il te plaît. Je suis au boulot. Oui. Ouais, ouais. Attends, descends ici. Donc, je suis en train de rentrer parce qu'on est venu me chercher là. Dès que j'arrive dans 20 minutes, je vais lancer le direct parce que il paraît que ma petite sœur de Kribi, son bin d'ailleurs, a boycotté la prestation de l'engagement caca dans le bin d'ailleurs de ma petite sœur de Kribi. Il faut qu'on décrit. On a trop de choses à faire. On a du boulot. Donc, et voilà, donc j'ai lancé le direct tout à l'heure parce qu'on vient me chercher. Et je dis à Monica Diaz de ne pas laisser. Moi, je n'ai pas envie de trop me mêler là-dessus parce que cette gars-là, mais Monica va me donner le numéro de téléphone. Monica. Coucou Monica, bonjour Monica Diaz, j'espère que tu vas bien. Bon début de semaine. Bon début de mois aussi. Donc, dans 20 minutes, je vais lancer le direct. Parce que les gens m'ont trop provoqué. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Là aussi, tu as une longueur. Je vais seulement parler ma bite. Parce que se mettre en live et de prédire que dans quelques mois, on va te voir clasher ta soeur sur les réseaux sociaux, c'est faire preuve de sorcellerie, d'aigreur, de mal-être. Parce que comment quelqu'un peut prédire, c'est-à-dire que quelqu'un s'assoit et dit que tu vas clasher ta soeur dans quelques mois. Donc les gens n'attendent que ça. Les gens n'attendent que ça. Ce sont des gens qui prétendent t'aimer parce qu'on a fait une certaine paix. Vous voyez comment tout le monde brille. Flore de Lille brille de son côté, l'eau brille de son côté. J'étais chez la veuve. Pourquoi vous trouvez ça normal, la tigresse, bonjour? Non, ma grande sœur, la Rosita, tu me connais. Quelqu'un se met prédit que dans quelques mois. Ma chérie, tu ne te réponds pas. Je rive à la maison et te réponds. Oui. Ton bin d'ailleurs a gâté la prestation de ma petite, de Juju, dans ton bin d'ailleurs. Ça cuit. Mon pindaya dit que je vais boycotter. Je m'en vais. C'est comme ça. C'est un ordre. Le pindaya dit que. Bonjour Sandrine. Le pindaya dit qu'il va gâter la prestation. Le pindaya. Et j'ai un direct à vous faire écouter. J'ai un audio à vous faire écouter dans 20 minutes. Un audio qui dure 45 minutes. 45 minutes. Vous allez écouter le mensonge qu'on va vous présenter sur les réseaux sociaux. Les grandes dames du Cameroun, vous allez écouter. 45 minutes. Bon, je lance le direct. L'audio dure 45 minutes. Vous allez mettre, vous écoutez. Je prends mon café, vous écoutez. Vous comprenez? Les grandes dames, vous allez entendre. C'est la mort. C'est la mort, l'audio là. Donc, on m'a donné la permission de le diffuser. Je vais le diffuser. Vous allez écouter. Je ne serai pas responsable des paroles. Les noms des gens qui sont dedans, ça non. Et ne suis pas moi là. Les gros noms qui sont dans l'audio là. Mais je vais se mettre. Oui, oui, la vie, c'est le courage. Les autres. Ciao, bonjour. Rêve bien dit à tata l'autre, mais depuis quand qu'il y a la tigresse. On a parlé de me. On te débloque tout à l'heure la tigresse. Tout à l'heure, 20 minutes, je lance. Ciao!